La police doit avoir des raisons, des mille et une raisons, ok, pour dire que c'est bandit ou même de tout hier, ou bien c'est bandit qui tombé dans l'échec de tir avec eux. Mais quand il y a là, est-ce que ça suffit, même si moi je suis un contre gang, même si moi même personnellement je danse avec gang, même si moi même souvent de Johnny Ferdinand, comment vous gérer gang yo, en privé, je vous dis comment vous avez là, comme journaliste dans le micro, je vous dis. Mais si vous parlez avec moi en privé, vous dites, si aucun monde n'est exam, qui n'a mauvais affect, n'a kidnapping, n'a tout le monde, etc. Souvent, je vous dis, avec moi, je vous dis. Par contre, mais maintenant, on a comme n'a fait analyse par rapport avec principe, par rapport avec règlement, par rapport avec loi, nous sommes capables en droit pour nous poser cette question. Même si c'est à des bandits, ok, qui t'a tombé dans l'échange de tir avec la police, est-ce que c'est comme ça que t'as droit fait? C'est une question que je pose. Je n'ai pas forcément gagné une référence légale sur la question. Je ne comprends pas. Mais tout ça qu'on a fait comme analyse là, c'est parce que pas gagné une institution qui assumait. L'aime dit assumer, soit la police peut-être. Jean-Luc Confel, sous page li, à travers service, relations publiques, presse, etc., pour le dire, mais qui ça va aller là, vous comprenez? Jean peut-être, y'a qu'on fait des vidéos sorties, des notes sorties, etc., pour dire, effectivement, c'est bandit qui t'est tombé, y'a t'es informé pas que, mais non bandit, mais comment vous t'es fait face à un bandit, yo? Par contre, vous comprenez? C'est même Jean-Tout, le parquet, peut-être pas assumer que, certes, il était by l'ordre, mais il était by l'ordre pour mettre dans terre, des bandits armés stoppés lors des échanges de tirs avec la police. Ça, c'est des informations qui sont rapportées par des médias, probablement qui sont sociaux, soit proches du parquet ou bien proches de la police nationale d'Haïti. Oui, mais non, mais je me dis que ce n'est pas correct. Oui, nous sommes précisés là parce que on dit que c'est à deux mondes qu'on présume que c'est des bandits. Bien, soit vous êtes avec un zam nan men yo qui est contrairement de déposer pas déposer. Donc est-ce que ça pas mandé pour que un temps qui passe, je ne saute préciser là, c'est parents yo voulaient réclamer yo. Et un monde qui était précisé que cadavre Anel Joseph fait plusieurs mois dans morgue. Et t'as tenu venir réclamer. Par contre, non, t'as fait plusieurs mois dans morgue. Vous comprenez? Donc, moi, c'était vraiment un empressement. Ni bon côté parquet, ni bon côté la police, ni bon côté autorité municipale, du tout. Parce que quand même, yo connaît qui ça la loi dit. C'est pas pour une fois qu'il y a levé cadavre de monde qui mourit à balle, soit c'est de monde qui abandonné. Donc, yo connaît comment ça fait. Par contre, c'est la première fois y a un monde qui mourit dans la rue. Donc, est-ce que c'est comme ça de pour jouer un monde dans la rue, on est prêt à les pour mettre dans le trou? Question m'a posé. Non. Dit, même si c'est un bandit, même pas c'est la loi dit, bon, Jean, pour bagaille au fait. Ça, c'est pour le dossier de la BESAP, toujours est-il, m'a donné des explications claires, précises, bon côté de la police. Vous souhaitez évoquer ça tout à l'heure, guerrier du seul, ou dit vendredi, a, effectivement, porte-parole la police, là, n'a parlé de commissaire Gary de Rosier, t'es doué parler sur un ensemble de points, probablement, sous question BESAP là. Il y a plusieurs dizaines de journalistes de médias en ligne qui étaient là, qui boycottaient la conférence. Non, je vais t'expliquer ça. Nous apprenons que les journalistes ont accompagné Gary de Rosier, ils ont allé à l'hôpital côté JJM hier, Jean-Marc, pour une visite. Et nous apprenons tout en absence du directeur général de la police nationale d'Haïti, t'as une équipe au niveau du haut commandement qui recevra famille, journaliste, JJM, Jean-Marc, matin aux environs de 10h. C'est vrai. Visite, accompagnement, les papes jambes qui a remplacé vieux journalistes. Mais c'est pas mauvais tout comme initiative. Maintenant, est-ce que ça suffit par rapport à tout ça qui vient comme accusation, comme dénonciation concernant le comportement des agents de la police pendant manifestation, pendant mouvement de protestation contre Ariel Henry?
est-ce que la police lui-même, par rapport à tout ça qu'a dit, par rapport à toute critique qu'a fait sous lui, il fait une bonne gestion de situation? Ou bien est-ce que c'est meilleure réaction italienne? C'est pas par rapport avec un cas en particulier. L'ensemble de tout ça, il a reproché policiers, que ce soit dans le nord-est à Wanamet, que ce soit dans le sud au Kai, que ce soit dans la Grandance au niveau de Jérémy, que ce soit dans Nip au niveau de Miragouane, pour arriver sous ça qui passé entre Pétionville avec Delmar. Et bandit ordonné mettez dans tête. Mais mon autre question m'a posé tout. Est-ce que c'est consalté de fait, même si c'est bandit? Oui. Et puis, on dit c'est des présumés bandits qui tombaient. Oui. Parce que c'est pas un tribunal qui jugeait, qui condamnait. Ça dit c'est peut-être deux mondes qui les abnant, mais ouais, dans l'échange qui tombait. Même là, c'est là des bandits. Parents sont capables de décider de venir réclamer quoi? Réclamer quoi? Oui. On y a là, est-ce que bon référence, légale? Légale. Pour dire, laisse arriver comment la justice doit apprécier. Vous comprenez, par exemple, si tu as gagné, effectivement, soit des présumés membres de groupes armés ou bien des chefs de groupes armés qui tombent dans l'échange de tir avec la police, comment ça fait? Est-ce que c'est la police qui prend contrôle quoi? Est-ce que bon juge de paix qui vient dresser pour ses verbales? Vous comprenez, qui mettait et moi, peut-être non mort public et que famille lui-même dit qu'on temps pour venir réclamer, passer ce délai, l'État ou bien la police ou bien la justice qui a fait n'importe quoi avec quoi, pas qu'on est. Donc, ça bombe possibilité. Est-ce que c'est 15 jours? Est-ce que c'est 15 jours? Oui. Yeah. Comprenez bien, oui. D'accord. Le pas. Parce que écoutez, guerrier de son. C'est pas moi qui a dit l'information disponible, responsable de la police, ou elle, entité qui peut être là pour faire cueillette pour la police, pour garder, pour faire briefing, pour déjà, pour garder ça qui dit dans la presse, etc. Yo supposé, ou elle, il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui blessent, il y a des journalistes qui prennent bâton, il y a des journalistes qui perdent du matériel, il y a des journalistes qui perdent des yeux, et tout ça, il y a des résultats de Santa Cabrelle. Des brutalités policières. Donc, si ça vous dit que vous êtes vrai, que vous n'êtes pas vrai, je suppose que la police lui-même gagne un comportement responsable pour le afficher, pour le faire montre. Par exemple, n'a pas parlé d'une institution, c'est pas d'un petit groupe, n'a pas parlé d'une institution qui d'une importance capitale pour le pays. Gagne pas comme ça qu'a dit, qui a notre sens gravissime, archi grave. Donc, pour nous autres, la première démarche de l'institution policière, c'est à d'abord, guerrier du seul, d'y prendre acte, ou bien d'y prendre note de toute accusation, d'y prendre acte, d'y prendre note de toute critique, de tout ça qu'il dit, et que d'y prendre des dispositions, et du coup, annoncer l'ouverture d'une enquête. Pour garder, dans tout ça qu'a dit, dans tout ça qui arrive, qui ça qui vrai, qui ça qui pas vrai. Ne serait-ce que pour rassurer la population, pour rassurer les citoyens. Gagner présence des mondes qui ont gros âmes dans main, dans manifestation. Gagner mondes qui doutent fort que mondes aient ta policier. Puisque y'a aucun uniforme sous yo, c'est des mondes qui gagnent des manches longues, qui ont des manches courtes, qui ont mes joues dedans, et puis qui ont des rades que n'importe particulier qui est capable de sécurité rapproche au monde, qui est capable. Donc, il faut la police faire le point pour rassurer la population, pour dire, ah, le monde sait, mais qui est sûr? Parce que dans un contexte politique fragile, quand il y a des gens qui accusent le gouvernement comme quoi ils ont armé des civils armés pour aller tirer sur les manifestants, donc la police a une nécessité pour faire le point. Pour dire, le monde sait, mais qui est sûr? Maintenant, qui unité, vous voyez, maintenant, qui cadre, vous êtes déployé. Il y a des informations qui ont fait quoi, si tu as des agents de l'UTAG, même là encore, nous avons posé des questions. UTAG, tu es monté dans un contexte particulier, si c'est vrai. D'ailleurs, non expliqué.
c'est unité temporaire anti-gang. Donc, si c'est à vous, je ne sais pas des agents de l'UTAG qui ont fait nos manifestations. De oui. Est-ce que les gens qui ont manifesté, c'est gang? Bien dit, oui. Ces questions m'a posé, m'a forcément gagné réponse. Maintenant, c'est à la police comme institution pour le dire, Johnny Ferdinand, ni comme citoyen, ni comme journaliste, mais réponse à la question. Et doute ça, c'est bien. Question moi ça aussi me fait yo, li aussi valable tout bon côté citoyen yo k'ap tande là. Qui est ce moun sa oui? Ça ou vinn faire? Pour ki ça ou pointer gros am sa ou manifestation au niveau de plusieurs villes de province et également de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Sin kwè chiffre qui disponible. Terre. En réalité, même si je ne suis pas un expert dans la question, ou bien je ne suis pas trop connu, pour ne dire que je ne connais pas du tout, l'intervention de la police et pointe des amis, c'est loin pour avoir un problème. Mais ce qui est capable de déranger, c'est que la police vient de contrôler la situation et qu'elle persiste là-dedans. Par exemple, nous avons parlé ça avec Guerrier Dieu seul hier, autour d'un verre. Nous disons, par contre, comment les policiers sont capables de gérer ça? Mais il y a plusieurs policiers de Grégory Lubin. Les messieurs ont fait checkpoint dans la rue. Et puis, ils sont arrivés sur la machine. On dit machine à tête. Par exemple, la machine par nous qui était ici. Par contre, qui est-ce qui est dans la machine? Ils ne connaissent pas forcément le propriétaire de la machine, le conducteur, etc. Il va prendre machine dans tout. Donc, yo mettez en position, yo pointez. Mais si dans l'intervalle, parce que il y a des mauvais angles qu'on a circulé à bord de machine teintée, qu'on ouvre coup de zame sous la police. Oui. Donc, faut que la police soit en position pour lui-même lui défendre tête lui si jamais ou éventuel bah comme ça que t'arrive. Mais côté l'antigène dérangé, si par exemple conducteur là ou bien occupant véhicule là les fins descendent vite là ou bien le descendent quatre vite aux gens policiers ont demandé ça yo gagne contrôle moun ki en dedans et puis deux mes chauffeurs en évidence même si m'ba un professeur de la question zam mais le vinon ti jan pas intéressant pour toujours été pointé zam nan sous psychologiquement pas sans effet. Pourquoi Mackinson Remy t'a dit ça? On le pendant le t'a intervenu. Ils ont message pour frère policier dans la rue. Si nous finissons en pointé sous mon nom, vous comprenez? Et puis nous gardons le contrôle non seulement véhicule là, mais le contrôle occupant véhicule là. Qu'on y a là, nous t'as capable prochaine étape là après nous finirons nos codes que chauffeur ensemble avec monde qui accompagne lui pas constitue une véritable menace pour nous c'est baisser amener et puis parler à monde qui sa formule là et bonjour bonsoir madame et permis papier machine si monde t'aider autorisation tête moi c'est ça me supposé mais le par exemple au pointer sur monde à Dianoxy Mab Saint-Fleur et puis mon descend vite là, il mettait mes en évidence, etc. Pour voir tout le monde qui est dans la machine et pour pas avancer sur mon avec examen. Mais ces amis, quand même, c'est mon mal et pas mal. N'importe les gars qui passent des beaux. Et puis sortant de là, incident malheureux arrivé. Et puis nous perdons au monde. Pour dire vrai, c'est pas tout policier qui agit de la sorte. Vous comprenez? Mais là, je vais adresser surtout avec des policiers qui connaissent généralement des comportements dans des situations. Pour me faire référence avec des garçons qui ont été pointés sous l'IA, etc. Donc, si la police a intervenu, il y a un scandale, il y a un comment, et peut-être la police a une tactique pâle, donc ça va arriver. Il y a un pointé. Mais si la police vient contrôler la situation, donc à mon sens, il y a de l'autre formule qu'il y a utilisé pour. Et gérer bagaille parce que grand gens policiers qui ont intervenu ou bien persisté monde qui peut être en question qui a paniqué
gen de l'autre bagay ki pa même souhaitable ki ka rive. M pral bon exemple. Nan moun m te fè accident, m gen proche mwen ki te mete yon machine à la disposition. Selon une source policière, agent Bessapio t'a tombé dans échange de tir. Après la mort Jovenel Moïse ou bien assassinat Jovenel Moïse, qui est-ce qui a bien responsabilité pour mener bas de pays? D'un côté, tu as gagné le premier ministre démissionnaire Claude Joseph. De l'autre côté, tu as gagné le premier ministre nommé Ariel Henry. Depuis, tu as gagné une guerre médiatique qui lançait en pile mon a positionné. Il y aura tout argument possible pour dire c'est docteur Ariel Henry qui pourrait être. Non, c'est pas docteur Ariel Henry qui pour et premier ministre, non, c'est docteur Claude Joseph, etc. Jusqu'à ce que dans la foulée, qu'au groupe là, ambassade Antonio, international Antonio, yo sorti tweet yo, et puis élection qui t'a fait des promesses de campagne et puis qui a annoncé que le va réaliser. Pas de problème avec ça. Mais maintenant encore, il y a des groupes qui croient que avec document que tu nommé là, puisque son président de la République même le te gagné des controverses sous fait mandal, yo pensais que docteur Ariel Henry était au minimum de légitimité puisque son président qui est nommé. Mais gen moun ki dit tout, yo pas gen problème avec minimum de légitimité ça. Moi nan que docteur Ariel Henry pral considérer que là à la lumière de l'article 149 si m'pas trompé de la Constitution de 1987. C'est-à-dire, pour en résoudre pour l'autre président pas là, donc la prédisposition nécessaire pour organiser l'élection au plus vite. En abeille. C'est tellement vrai. Ariel Henry, à la fin de l'année 2021, madame, monsieur, archivez-vous là, nous sommes capables de consulter, annoncer que l'année 2022 tape une année électorale. Donc, il prouve que son nèg qui vient gérer en période intérimaire, mais avec la seule mission, le seul but pour organiser l'élection, pour permettre que le pays a les mêmes lits, retourner souvelé à l'ordre démocratique. Voilà que le 7 février 2022, tout le monde net estimé, pas de débat encore, si Jovenel Moïse était vivant toujours, mandat tape fini dans date ça. Donc du coup, pour eux-mêmes, comprennent bien, oui, pour eux-mêmes, légitimité ou bien minimum légitimité, Ariel Henry te gagne, hein? Avec la fin, souvelé, du mandat de Jovenel Moïse, dans la date 7 février 2022, elle est tout perdu automatiquement. Et ça qui fait que ce soit Tires Sénatérité, qui te gagne Joseph Lambert dans la tête, là, que ce soit Montana qui te vient fusionner avec de l'autre groupe politique, yo te di tout carrément Ariel Henry pas ka kembe pays a de force, il pas ka kembe pays a si c'est pas un entente, un dialogue, OK, qui fait pour jouer un consensus et puis pour effectivement mettre une équipe qui pour gérer période intérimaire là avec le seul objectif pour organiser l'élection. Ariel fait toute année 2022 a la rouler moun nan farine. L'a passé mon nan bêtise. Li allé Los Angeles en Californie. Avant là, il font simulacre, il rencontre des monde, la caille des monde tako Magali Komodeni, il fait des promesses etc. L'elle sorti nan sommet a nan Californie en juin 2022 si m'pa trompé. Il vinn là, il viré d'elle bay tout monde, m'pa dire rien. Et puis après ça, il continue passer sous châle. Jusqu'à ce que nan fin année 2022 a Ariel, avec de l'autre groupe, yon entend yon Pétionville, yon signé un document qui relé consensus pour une transition inclusive, on va comme ça, et des élections transparentes. Ça relé accord 21 décembre
2022. Monsieur dame signataire, yo yo fait toute fin année. Nous sommes en 2022, tout 13 juin en décembre. Y a défendre Akoa. On te dit ça là déjà, yo présenté Akoa comme un document qui pral permettre docteur Ariel Henry agir en toute liberté, qui pral bail Ariel Henry outils nécessaires pour initier un ensemble de chantiers en dans pays a dont ça veut dire gagner des bagages m'a tonne souvelé cap sauti dans bouche docteur Ariel Henry. Il y a des paroles moi même très sincèrement m'a tonne pour sauti dans bouche docteur. J'étais aussi curieux que la population souvelé pour me connaître qui ça docteur après dit qui capable à la hauteur de ça là comme crise ou bien qui capable à la hauteur de ampleur crise la prend dans moment là. Par exemple, au-delà de questions incapacité gouvernement ou bien équipe en place là pour résoudre un ensemble de problèmes en d'un pays qui c'est des problèmes qui kembe citoyens haïtiens, population haïtienne là dans gorge, gen un élément fondamental moun ki croit que Ariel Henry pa gen place li nan tête pays encore toujours avancé pour yo justifier position ça. C'est le fameux accord du 21 décembre 2022. Moi expliquer ça ici à pendant plusieurs fois. Et si me retourner sous lien comme pas quoi la de trop matin. Jovenel Moïse nous répéter non nous nommer non nous pas détourner la route li. Ancien président de la République ou bien président de la République d'alors par rapport à ça n'a pas parlé. Li nommé un citoyen qui relait ou bien li choisi un citoyen qui relait Ariel Henry qui pour venir premier ministre. Là que nous sommes le 5 juillet 2021 bah, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, Tineg Noé mettait un nèg peau rouge sous complicité blanche et verte si haut. Yo prend initiative maspinin crabinin assassiner président de la République. Qui vient faire que pays a une situation exceptionnelle. T'es un dilemme pour qu'on ait sur des élections. Ces documents ça n'a pas besoin retourner sous détail qui ban nous ACT. Ces documents ça qui te doué ban nous CEP. C'est lui qui te doué ban nous réforme dans la constitution, c'est lui qui te doué ban nous élection dans fin année 2023, c'est lui même qui te doué ban nous une équipe qui sorti dans élection qui t'a remplacé Ariel Henry hier 7 février. Dans jouet coquin. Dans irresponsabilité. Dans fait temps passé pour qu'a passé plus temps sous pouvoir, Ariel Henry avec tout allié lui proche décidé de pas appliquer à quoi et du coup 7 février arrivé pas grand rien que t'ai dit ou bien que t'ai annoncé qui fait sinon seul grain bagaille qui arrivé mettre en place c'est le ACT nous te disons déjà. Donc il y a monde qui dit peut-être justifier en million en quantité million. Il y a monde qui dit sous base accord ça sous base document ça Ariel Henry doué quitter primature quitter tête pays. Il a demandé de démissionner. On expliqué ça hier matin. Démission sont monde qui n'ont poste avec bien sûr en mission et puis pendant période de temps pas vrai. Et puis à un certain moment il doit estimer il va pas résultat, il a demandé de démissionner ou bien il doit estimer li non situation inconfortable bon bail qui rive bon scandale yo mande démissionner ou bien mon doit décider de par lui même pour x ou y raison li démissionner. Mais dans cas Ariel Henry tout groupe qui avancé question
accord 21 décembre, yo dit c'est pas mandé au mandé Ariel démissionner. Et d'ailleurs si Ariel quitte tête pays a, quitte tête l'état, quitte primature, c'est pour faveur la faire pays. C'est lui qui te prend engagement avec des partis politiques dans le pays, des regroupements politiques dans le pays. Donc s'il voulait paraître honnête et cohérent à tête lui, il n'y a pas un autre choix que respecter ça le te prend comme engagement. Aussi simple que ça. Quel que soit sorti qu'a dit de monde qui mandé ça ou bien qui avance ça yo guerrier du seul, même si on t'a gagné l'autre motivation, mon pas qu'a dit ça ou dit pas gagne sens guerrier. Et moi bouc expliquer ça. Ou pas qu'a dit ça. C'est ça que fait moi-même. Les m'a tendre adresse à la nation, bon grain bagay qui t'attire attention, c'est qui ça docteur Ariel Henry pral dit par rapport à accord 2022 qui c'est accord 21 décembre qui sont accord qui d'une importance capitale à mes yeux guerrier. Est-ce que tu connais par contre si c'est moi-même j'aurais pas nettoyé bien ou bien si m'étais fait lever dans dormir m'pas de bon sens moi. Est-ce que nous te connais à aucun moment m'pas tant d'écouter docteur Ariel Henry parler bien comme ça non. Dans discours non bon si on m'entendait côté monsieur a évoquer question accord 21 décembre jusqu'à ce que l'état évalue ou bien présenter bilan à quoi que on moun prouve ça là ou bien que on moun partager là avec moi ne doit pas faire trop cordium moins tendel moins retendel moins pas ouais docteur Ariel Henry lui parler de quoi ou encore chef là dit le signe avec des partis il prend des engagements là-dedans yo tellement prend à quoi au sérieux. Ils ont publié dans le journal officiel du pays Le Moniteur. Moins vite là, moins questionné sincérité à quoi, moins questionné réalisme autour de à quoi. Il y a des gens qui sont à quoi qui disent ça me pensait mieux, moi qui me dégage au jour même, parce que c'est une initiative haïtienne, c'est une solution haïtienne à la crise. Donc moins sorti pour me cracher sur lui, etc. Et puis je dis à la pour prendre la parole pour pas même évoquer à quoi ça. Bon, même si c'est pour la forme, et puis pour me prendre ça à dire au sérieux, expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Maintenant, est-ce que c'est ignorance ou bien est-ce que c'est voulu cette choix calculé? Moi, je pense que c'est voulu. Mais pendant que c'est voulu à tout guerrier du seul, ça a prouvé. Le gouvernement peut assumer échec li, ou bien le gouvernement décide pas assumer échec li. Par contre, je comprends. Tout bagaille ou des conséquences. Soutenir doué fait ça ou décider délibérément ou pas faire mais les conséquences ça vient nous pas cap courir pour lui ou bien l'autre monde responsable ou bien a jouer rôle victime faut d'accord assumer et accepter conséquences quel que soit le prix à payer. C'est une position de principe à mon sens. Donc le temps de 10 minutes quand on docteur Ariel Henry a parlé sans arrêter un texte que le pas même maîtriser même et puis à aucun moment m'attendre l'évoquer question accord 21 décembre là me dit ça suffit seulement pour me pas prendre rien que dit non adresse ça là au sérieux m'a contre ça t'a pral dit m'a pas voulu te dire un bagage moi sincèrement pour faire plaisir mais au moins t'a t'en au moins on va lui dire une explication pas ça même c'est pour te faire dormir ou bien pour te faire mon cap t'attendre dormir etc. mais on va pas t'attendre mais le pas dit non guerrier du seul. Il ne peut pas parler de lui dans le dernier. Et puis prochainement là, si pas mal le gouvernement s'est arrêté dans notre pays à toujours, libéralement des gens qui ont bagarre avec eux, libéralement des gens, libéralement courage pour les gens qui ont avec eux, libéralement des gens qui dialogue, libéralement des gens qui ont vous pensez moi-même que courage ça? Bon, vous dire, et puis je vais lancer n'importe qui est-ce qui a décidé de rentrer dans le combine avec M. Zayo. C'est docteur Ariel Henry qui a annoncé que l'écrasé qui dit ça. Pendant que je parle de Guy Philippe, je vais tout faire une petite parenthèse, tout au moins l'ouvrir en fenêtre. Ou bien nous anti-Guy Philippe. Ou bien nous un pro-Guy Philippe. Ou bien nous pas prendre Guy Philippe au sérieux. Comme ça, tout, ou bien nous croire dans Guy Philippe. Ou bien nous questionner, si vous voulez, parole ou bien démarche, révolution Guy Philippe à Guy Philippe. Ou ka positionner au côté ou voulez. Mais je dis à si vous voulez d'accord avec nous,
la force des choses, notamment pendant les dernières 24 heures, te fait de Guy Philippe un acteur incontournable. Voilà que nous sommes arrivés dans la date 7 février. Il y a des bagages qui t'ont annoncé, il y a des paroles qui t'ont parlé, il y a des initiatives qui t'ont pris. Et à la veille de cette même date du 7 février, Guy Philippe te fait une démonstration. Il était allé Pétionville, il était en tête aux manifestations qui étaient improvisées, il était content ou elle, il était accompagné, il était grandi, etc. Donc, arrivé au jour J, nous-mêmes comme journalistes, cap chercher information, cap chercher comprendre quelque bagaille. Donc, ou pas qu'à passer au de lui comme un acteur important. Et je dis encore, jusqu'à minute, n'a pas parlé là, moi-même comme journaliste, je n'ai rien parlé à Guy Philippe pour me connaître qui s'est passé, où est-ce qu'on en est avec la révolution. Est-ce que son silence stratégique, est-ce que le bail vague, est-ce que le rebousse chemin, etc. Même j'ai tout que de l'autre acteur, tout m'a rien entendu. On est comme Moïse Jean-Charles qui t'a annoncé des bagailles. On t'a rien connu, ça qui passé. On t'a rien parlé avec Claude Joseph du parti politique Les Engagés.